Le train n'allait nulle part. Le seul but du voyage, c'était ça, jeter sur le quai à chaque gare. Depuis, à chaque arrêt du train en pleine voie, ils craignaient qu'on jette des wagons les mourants, les enfants, les vieillards. Ils se mordaient les mains. Que faire ? La neige dehors ralentissait la marche du train. Puis le train s'immobilisa un court instant avant de repartir. C'est alors qu'il comprit. Il bouscula les uns et les autres. Il rejoignit le châle de laine des Pyrénées. Surtout ne pas choisir, surtout ne plus réfléchir. Se saisir de l'un des deux, ne pas choisir entre le garçon et la fille. Il prit le premier qui lui tomba sous la main. Il avait déjà sorti de sa poche son châle de prière. L'enfant somnolait. Dina le regarda un instant, puis referma les yeux, elle aussi, serrant l'autre jumeau. Il distingua une silhouette qui semblait courir après le train, levant les pieds hauts dans la neige et qui criait. Il serra l'enfant, l'enveloppa dans son châle de prière. « Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ce que tu veux faire. Pas assez de lait pour deux, peut-être assez pour un. » Il souleva l'enfant, enveloppé dans le châle. La tête passerait-elle ? La tête passée, les épaules suivraient. Puis il fit un geste en direction de la vieille qui s'arrêtait, agenouillée dans la neige.